Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on va faire la deuxième maison de la DLC House Flipper Pets. Donc on a notre petit chien maintenant et on va devoir restaurer la maison qui est ici. C'est la maison du gardien des animaux. Donc on va accepter, on y va. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il y a justement à nettoyer et à restaurer. Quand il fait son, vous pouvez allumer la lampe de poche. Ou après, s'il y a de l'électricité dans la maison et des lampes, vous pouvez allumer les lampes dans la maison. Donc à savoir que j'ai déjà fait un épisode où j'ai dû restaurer une maison et j'ai trouvé un petit chien dans un carton que j'ai adopté. Et là, bah, j'essaie de restaurer les maisons à fur et à mesure. Je crois qu'il y en a quand même quelques-unes, donc j'essaierai de vous faire quelques petits épisodes sur cette DLC. Alors le chargement, il est un petit peu long, c'est normal, c'est parce que c'est le premier chargement. Après, je trouve qu'il va assez vite, mais là, c'est pas mal. There is this saying about changing the world. I'm sure you know it. I've already started with myself. Now it's time for my home. Structure and order, they are crucial for my plans. This is how I see it. Cats and dogs will have their rooms downstairs. The other pets in the attic. Yes, I know. It's such a nice room, but it's worth it. It's nothing compared to what they went through. What so many stray pets experience every day. I know, I can't save them all, but a few is more than none, right? Ok, donc là, le gardien des animaux. Alors, on va arriver dans la maison. Donc la maison est juste ici. Alors, on a des petites maisonnettes ici. Alors les poubelles, par contre, ouais, elles sont animaux. Alors, il va falloir nettoyer tout ça tout de suite, directement, autant le faire. Hop, on va remettre les poubelles, hop. De toute façon, vous le voyez, hein, sur le côté, dès qu'il y a des points noirs ou des choses comme ça, vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il bouge. Ah. Ok, il y a raton laveur, il est là. Oh, il va où? Parti. On va... Ouais. La poubelle a disparu, ok. Alors, ici c'est bon, on va aller voir de l'autre côté. Juste pour faire le tour de la maison, pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors là, j'ai un papillon. Donc j'ai un budget de 2000, faut que je fasse attention. Allez, on va rentrer dans la maison. Il y a des jouets pour faire. Pas grand chose à faire dans cette maison. Alors, on va regarder là. Ah, ok. Donc ici, il va falloir vendre tous les objets. D'accord. Donc ici, on va devoir vendre les objets. Ici, dans la salle de bain, pareil, on va regarder après. Ici, c'est quoi? Ici, il n'y a rien à faire. L'extérieur. Je pense qu'il avait dit qu'il y avait un truc à faire en haut. La clim est déjà posée. Ici, c'est sa chambre. Ok, ah ouais, ici il va falloir tout vendre. Il va falloir vendre tout. Ok, bon, on va commencer par la pièce du coin, je pense. Donc il n'y a pas de nettoyage à faire. Il faut vraiment vendre et créer la pièce pour les animaux. Alors, on y va. On va faire vendre. Ouais, il n'y a pas de nettoyage. On va tout vendre. C'est parti, on demande tout vendre, je vends tout. Hein. Hop, on va mettre la pièce à nu. Et hop. Alors, le cadre. Ok. Alors, il va falloir poser du carrelage au sol. Alors, dans la salle de bain, système de plomberie, placer des carreaux, installer une ancienne PVC standard. Est-ce que je dois les vendre ou est-ce que je dois les garder? Pas de problème. Là, on est dans la même pièce, je pense, non? Non, là, on est dans la salle de bain. Voilà. On va essayer déjà de prendre le carrelage, déjà. Alors, le carrelage, c'est celui-là. On va devoir poser au sol. Voilà. Hop. Je vais essayer de prendre un endroit loin possible. Alors, vous prenez, et vous tirez. Et vous... Hop, vous validez. Voilà, hop, et on va valider jusque là. Donc là, c'est bon. On a 39 objets à acheter, faut faire attention.
problème, c'est qu'ici, est-ce que je dois aussi poser des carreaux? Des carreaux. Si je dois poser des carreaux... Ah ouais, je dois poser des carreaux au sol et sur les murs. Alors, il y a marqué quoi? Vendre le... Ah ouais, bah je dois tout vendre. Hein. Vendre tout le système, la douche et tout, faut tout vendre. Et bon, bah on y va. On va faire comme ça. Hop, pas tout vendre. Ça, je pense pas que je peux le vendre comme ça. Je ne peux pas gagner de l'argent avec ça. Et ça, pareil. Est-ce que je peux les démonter? Il est possible de les démonter. Système de douche. Alors, on va passer sur les carreaux. Donc, on avait dit que ça, c'était les carrelages de sol. On va mettre ça ici. On va tirer jusque dans l'autre coin. Hop, voilà, c'est bon. Maintenant, on va prendre celui-là. Ça, c'est ce qu'on pose. Tu me fais faire deux fois. Ah, voilà, c'est mieux. Poser le cas. Ah non, au plafond. Ah merde, je me suis trompé. Ok, d'accord, j'ai fait une connerie. Je vais poser ça au plafond et l'autre au sol. Ok, d'accord. Donc là, c'est bon. Je récupère ma bêtise. Voilà. J'ai perdu de l'argent, par contre. J'ai pas fait gaffe. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Alors, on doit mettre un système de douche. C'est ça? Baignoire pour les grands chiens. Et est-ce que c'est juste à poser? Ouais. Alors, on va peut-être le mettre derrière la poire. Non. On va faire ça. On va essayer de le mettre plus là. Ça évitera qu'il... Alors, on va essayer de faire ça et le coller. Hop. Là, on a système pour le chien. Ah, on peut appeler un chien, le nettoyer si on veut. Ok. Alors ici maintenant, ça se met en coin. On va le mettre. On va pas le mettre tout de suite. Poubelle. On peut le mettre ici à l'entrée, on va dire. Ça c'est quoi ça? Baignoire pour des petits chiens. Donc on va pouvoir la mettre ici. ça c'est quoi ça? Un lot de serviettes, mais je pense que ça va se poser sur une table. Il va falloir que je mette quelque chose. Là, on va le mettre comme ça, au-dessus, comme ça. Ça permet de prendre. Ça c'est une étagère, donc l'étagère on va la mettre là. On va mettre les serviettes dessus. Voilà, la petite fleur aussi. Voilà. Pas de ça. Produit pour le... Et hop, 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 hop. Voilà. On a encore un lot de serviettes à mettre. Est-ce qu'on peut les superposer, je pense? On peut les mettre l'un à côté de l'autre, mais je pense pas qu'on puisse les superposer. Quoi de ça? Une balle. Ah non, c'est un tapis. J'avais l'impression que c'était une balle. Bizarrement, on dirait que c'est une balle. Encore un lot de serviettes. Je suis pas sûr de pouvoir les mettre là. On va jouer comme ça. Le dernier, c'est quoi? C'est ça. Ah ouais, ça, j'ai galéré à le mettre. C'est que je vais peut-être le voir si j'arrive à le mettre là-bas dans le fond, non? C'est possible. Ouais. Voilà. Donc ici on est bon. Système de douche, plomberie. On a tout mis. Alors, par contre, vendre le système de plomberie de douche, système de plomberie noire, système. Alors, ça par contre, je crois qu'on peut le vendre. Alors, tu peux acheter une baignoire pour l'installer ici. Non, moi je veux le désinstaller. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de démonter? Normalement, on peut démonter. Alors, avec C, je peux marquer. Alors, est-ce qu'on n'a pas quelque chose ici? Amélioration. Démontage. Plâtre, installation carreur. On. Alors, on peut pas le vendre, mais on peut pas le démonter. Quand je veux le vendre, tu peux vendre.
Est-ce que je peux vendre ça? Le problème, c'est que ouais, j'arrive pas à le démonter. Je peux pas vendre la tuyauterie et je peux pas vendre lui aussi. Au-dessus. Ah, quand même. On regarde ça. Ok. Alors, changer d'outil, bah ouais, c'est comme ça. Table. Normalement, je suis censé avoir une clé ici pour pouvoir démonter. Mais j'ai pas la clé. Donc, on va essayer de passer ici dans la pièce là. C'est plus simple. Donc, je vais me relever. Alors, maintenant, on a les paniers à chien, paniers pour chien. Attention, on a les distributeurs automatiques de nourriture et tout. Alors, on va revenir sur H. Alors ici, on a les paniers, paniers pour chiens. On va mettre le premier panier ici. Allez, hop. On va le mettre sur ce coin-là. Là. Le deuxième, on va le mettre juste à côté. Hein? J'y arrive. Voilà. Ça, c'est quoi, ça? Bon appétit. Ben, ça, c'est pour mettre avec le manger. Alors. Je vais peut-être le poser comme ça, vite fait. Je sais pas comment je vais le poser. Je vais poser plusieurs. Alors, au niveau de la nourriture, j'ai ça à mettre, 5 mètres. Ça, c'est quoi, un arbre à chat? 1 mètre. Comment ça? Nourriture pour chien, je pense que je vais plus. Et là. Donc, on va mettre ça dans ça. On va le mettre là. On va tourner. Ah, hop. Le deuxième. À côté. Ok, donc les tapis, je devais en mettre que deux. Je vais pas en mettre trois. Ça comme ça. Hop. On va faire comme ça. On va reprendre ici, je devais en mettre deux. On va mettre comme ça. Un. Deux. Mettre un tapis. Ah, je vais le vendre. Ah. Non, je vais appuyer sur le mauvais truc. On va remettre un tapis comme ça. Ah, je peux peut-être faire ça, là. Hop. Ah. Un bleu et un rose. Ah, ça c'est un peu mieux. Voilà, donc là on est bien. Alors il y a des jouets. Donc les jouets, je vais essayer de les mettre dans un coin. Hein, on verra bien après par la suite. Je vais t'en mettre un là-bas aussi, à côté de là. Aussi, ils ont joué avec. Voilà. On va avoir une balle. Je vais mettre une là. Voilà. Faire un peu comme s'ils sont en... ils ont joué avec, ils ont mis un peu partout. Assez facile, hein. Ça, je pense pas si je peux mettre. Ah, je vais mettre ici en attendant, on verra bien après par la suite. Ça, des niches pour chat, c'est des litières, pardon. Alors, la litière, on va la mettre ici. Ouais. Allez, deux. Ah, une. Voilà. Donc là, on a deux litières pour chat. C'est quoi ça? Tapis. Grand tapis. De nourriture pour ah, pour chat, ouais, là c'est pour chat. Je vais en mettre un là, deuxième là,
Hein. Normalement, je suis censé en mettre deux à chaque fois aussi. Hein. Là, on va mettre deux comme ça. On va le décaler un petit peu. Il manque quoi? Oh, ça se moque pas, non? Pas le bon. Alors, on va regarder. Alors, j'ai l'impression que j'ai. Enclos pour chien. Je dois en mettre 12 enclos pour faire un enclos pour chien. On va fermer ici. Ouais, je reprends. Alors, enclos intérieur pour chien. Bon, je suis pas fan. Je crois que c'est pour mettre sur les portes, non? Moi, je pense que ça, c'est pour mettre sur les portes. Ah, je veux le tourner, il veut pas. Alors. Non, je voulais pas te poser là. Là, il veut plus le prendre maintenant. Ça, c'est un peu bête. En plus, on peut même pas l'ouvrir. Ok, là. C'est bizarre, hein. C'est vraiment mal fait. Bon, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais pas le faire l'enclos. Ça sert un petit peu à rien, je trouve. À moins qu'en posant celui-là, ça débloque le reste, mais je. Non, regardez, on peut mettre que dans le même sens. J'ai l'impression que ça ne veut pas se positionner comme je veux. Intéresse pas. Alors, ici, on a dit qu'on n'avait rien à faire. On va aller de l'autre côté. Alors ça, j'arrive pas à le vendre. Un peu dommage. On va aller voir maintenant dans la pièce en haut. On va devoir tout revendre et faire autre chose. Alors, on est parti pour tout vendre. Voilà. Alors, tout a été vendu plus ou moins ici à part les trois lampes. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va devoir faire un enclos pour le lapin, un enclos pour le cochon d'Inde, un aquarium à tortue. Ok, il y a du taf. Alors, premier enclos pour le premier lapin. On va les mettre ici, les enclos, parce que de l'autre côté, il y a un. Voilà, là c'est bon. Donc là on a le premier enclos. Alors le deuxième. Ouf, c'est bon. C'est bon. Et. C'est quoi ça? Aquarium. Ouais, je peux peut-être le mettre ici. Stylé par contre. On peut remplir de nourriture. Oh, c'est pas mal. Okay. Là pareil, alors si je fais ça, je peux remplir la nourriture. Oh, c'est stylé. Ouais, pas de l'eau. Ok. Ah ouais, carrément, on peut vraiment aller remplir la nourriture et tout. Alors là, on rentre où? Je peux juste le prendre, par contre celui-là je peux pas rentrer dedans. Ok, alors on y va pour l'autre. Ok,
Pareil, on peut pas le nourrir. Après, ça aurait été pas mal d'avoir les animaux dedans. Grand aquarium. La nourriture à poisson. Ok. Alors, on va refaire ici. On a les lampes. Alors, j'ai pas regardé combien il fallait en mettre. 6 lampes, par contre. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir mettre 3 comme ça. 1, 2, 3, 4. On peut allumer ici en plus. Ouais, à part que je suis pas centré. Hop, hop. Et là, on va la mettre un point. Celle-là, on va la mettre un point. Et là, je suis pas centré d'ici. Okay. C'est pas facile à centrer les lampes. Hein. Ici, on a une étagère. On va en mettre là, direct. Il m'en faut 3. C'est quoi ça correspond? 3. Et ça. Ah bon, on va quitter. Voilà, donc là la pièce elle est terminée. C'est dommage qu'on n'a pas les animaux dedans. On aurait dû pouvoir prendre les animaux et les mettre dedans. Là, on les a pas. Donc, la pièce là, elle est plus ou moins propre. Par contre, ouais, j'ai vraiment pas compris en bas. Je pense que là, si on fait entrer, on est à 84% de ce qu'on peut faire. Oh merde, j'ai appuyé. Je suis trompé. J'ai appuyé. À place de vouloir faire retour en arrière, j'ai appuyé. Ouais, je pense qu'on peut retourner dedans. Hein, je pense. On va attendre. Normalement, je pense qu'on peut retourner dans la mission. Alors, ça m'a débloqué 2 missions. Vous voyez, on peut... Ah non, on peut pas retourner. Là, j'ai 84%, mais je peux pas retourner à l'intérieur. Merde, ça fait dommage. Alors, les prochaines maisons qu'on va pouvoir faire... Alors, celle-là, c'est un peu embêtant, parce qu'il y avait que de la réhabilitation. Enfin, il fallait juste enlever et remettre. Moi, j'aime bien aussi quand il y a un peu de nettoyage. Donc là, on a plus de liberté. Alors, c'est bon, il faut voir que ça va. Et malheureusement, son âme rapide a évoqué. Ok, donc là, tu vois, on va falloir faire un endroit plus ou moins pour un iguane. Et je pense que c'est ici. Une occasion de changer un chien hyperactif et un le chat du voisin a une paire d'enfants. Surtout, ses enfants font des. Bien avec le chien. Parcours, personne n'a été blessé. La chambre a pris feu et a besoin d'être rénovée. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ça sera sûrement la prochaine mission où on va devoir essayer de la rénover, remettre tout correctement. Je pense que ouais, ça sera la prochaine mission. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager le petit pouce bleu. Et allez, ciao ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à cliquer sur « Abonnez-vous » et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.